Allez, allons voir ce jeu. C'est appelé Journey, une journée sur une planète Savage. Le jeu, regarde bien français. Coopératif. Salut, je m'appelle Mark Atwood. Je suis PDG de Kindred Aerospace. Merci de participer au programme Pioneer. Depuis près de 30 ans, Kindred s'efforce d'aider l'humanité à élargir ses frontières. Et je suis fier d'annoncer que de nombreux experts de l'industrie nous considèrent aujourd'hui comme la quatrième meilleure entreprise d'exploration interstellaire. Depuis nos débuts comme fabricants de batteries et de panneaux solaires conçus pour les climats extrêmes, en passant par notre gamme de chaussures de sport et nos chics vêtements de survie, on travaille d'arrache-pied pour faire avancer l'humanité. Des profondeurs des océans et maintenant, parmi les étoiles! La prochaine étape, c'est de passer de la simple exploration à la colonisation planétaire, puis pour ça, on a besoin de toi. Nos scientifiques ont identifié plusieurs planètes qui pourraient accueillir la vie humaine. Voici la tienne. ARY-26. C'est une voix québécoise, je sais pas si vous avez aperçu, le jeu est fait à Montréal. Ta mission consiste à explorer la surface de la planète, à répertorier ses formes de vie, ses menaces et ses ressources, et à envoyer les données collectées à l'équipe de scientifiques de Kindred qui en feront l'analyse. Plus tu feras de découvertes, hey, t'es chez Garibou, prends ta chaise, regarde-moi! Et ton ami, si t'en as, j'aimerais aussi te dire que tout a été mis en place pour t'offrir le séjour le plus sûr et le plus agréable possible. Mais les récentes coupes budgétaires et la nature inconnue des obstacles à surmonter nous obligent à t'envoyer en mission sans trop d'équipement. Mais pas de panique, ton module d'habitation est équipé d'une imprimante 3D, capable de transformer n'importe quel vieux débris spatial en objet bien utile. Ah, j'allais oublier, toute ton essence a été utilisée pour le chemin entre la Terre et ta planète. Tu devras donc découvrir une ressource locale et la raffiner en carburant approprié. À moins, bien sûr, que tu décides de quitter la Terre pour toujours. Bon, je veux surtout pas gaspiller ton précieux temps. Je suis sûr que t'as très hâte de partir explorer. Je te souhaite bonne chance. On va t'envoyer des nouvelles sur ta progression à mesure que tu réaliseras tes missions de reconnaissance. À bientôt, et meurs pas, là. Je sais pas s'ils se sont pas aperçus que la voix allait pas avec le gars, par hasard. Les longs voyages spatiaux ne sont pas faits pour tout le monde. Les effets secondaires et inhabituels peuvent être ressentis, entre autres. Mal de tête, nausées, diarrhée, vomissements, étourdissements, dysenterie, douleur à l'abdomen, varices qui sent dans les selles, sentiment de vide ou de désespoir, arthrose, hémorroïdes, diabète, amnésie, confusion sur son genre, prolapsus dentaire spontané, les inconfort ou mort. Si vous subissez un ou plusieurs de ces symptômes, venez contacter votre représentant Kindred rapidement et tous les efforts possibles pour vous aider vous porter secours seront mis en œuvre. Salut, je m'appelle Echo et je suis là pour t'aider et te guider tout au long de ta mission. Mais commençons par le commencement. Connecte-toi à ton ordinateur pour remplir un petit questionnaire. C'est une simple formalité, juste pour s'assurer que tout va bien côté santé mentale. Ça fait bizarre d'entendre un Québécois qui parle d'un jeu. Excuse-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, mais j'ai oublié.
Au cantique, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon cher ami, ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! Salut, j'espère que tu vas bien. Sur l'ordinateur, sinon je peux pas t'ouvrir la porte, ni allumer la lumière, ni te nourrir. C'est tellement québécois que... Mais moi j'ai de la misère. On dirait qu'ils ont pris quelqu'un avec l'accent... et qu'ils ont vraiment pris l'accent québécois. Au lieu de ils ont pas pris l'accent comme de quelqu'un qui parle à la télé, ils ont pris quelqu'un qui parle avec l'accent de tous les jours. On dirait que tu as réussi, bravo, conformément au terme de contrat permettant aux employés de Kindred de bénéficier du programme expérimental, il est obligatoire de transmettre des rapports réguliers tout au long de ta mission. Commençons. Mais moi, je parle pas avec un accent aussi prononcé, c'est ça. C'est ça, je suis pas québécois. À évaluer régulièrement ton état mental. Et comme le mal de l'espace a touché quelques-uns de nos explorateurs récemment, j'aurais besoin que tu t'identifies à partir de cette galerie de visages, s'il te plaît. Tabarnache! Ça, c'est moi, ça. Merci. Je suis vraiment contente de voir que t'as pas perdu la tête. On dirait que je me sens comme dans la guerre des tucs quand j'étais jeune. Rapport terminé. Merci de votre attention, explorateur. C'est la fin du rapport. Veuillez appuyer sur le bouton « Soumettre » pour envoyer vos réponses au centre de données Kindred pour qu'elles soient traitées. Profitez bien de votre aventure et restez en vie. Soumettre. Bonjour. Insérez... Bienvenue au premier jour de votre aventure extraordinaire. Nous sommes plus que ravis de vous accueillir sur un sérénat de la planète. Vous êtes un rouage essentiel à la grande quête intersidérale de Kindred. Et tous nos espoirs reposent sur les courageux explorateurs qui, comme vous, retournent chaque caillou, scannent chaque petit brin d'herbe et étripent chaque bête à la recherche de précieuses matières premières afin d'enrichir notre base de données et d'offrir à l'humanité l'opportunité de rayonner et de prospérer à travers l'immensité galactique. Toute son existence, l'humanité est restée prisonnière de la Terre. Nous pouvons élever la race humaine au-delà des confins terrestres. Nous pouvons peupler l'univers. Et nous avons besoin de vous. Sincèrement, Martin Tweed, fondateur et PDG. Salut Blaster. Salut, je m'appelle Martin Tweed. Je suis PDG de Kindred Aerospace. Merci de participer au programme. Ça, je viens de voir ça. Ça me fait tellement penser à une voix d'un acteur, là, mais c'est que... Hello, hi, Québec. What's up, Johanna? Where are you from? Va bien? Avance dans le jeu, temps de jouer, nombre de morts. Le nombre de morts. Oh, il est... Je suis arrivé! Je ne peux pas dire que le voyage a été interminable ou particulièrement pénible puisque j'ai dormi tout le long. C'est un étrange sentiment que de fermer les yeux sur Terre et, en ce qui semble être un court instant, les rouvrir dans un autre univers. J'ai observé les environs pendant une bonne quinzaine de minutes avant d'oser poser le pied dehors, mais je suis souvenu de ce que tu m'avais dit avant mon départ. Que je serai le premier lesqueur à quitter Arlington et la Terre, alors que je suis levé et je suis allé. Tu t'adresses désormais à l'explorateur. Je suis officiellement sur une autre planète, aucune planète. Ma mission consiste certes à explorer, mais il faudra aussi survivre. Alors que je n'ai pas tardé, j'ai construit une arme. Un peu décevant, je dois dire, mais il semblerait qu'il y ait quelques prédateurs dans le coin. Je t'en dirai plus demain. Bisous. À présent, je réalise plus que jamais à quel point une préparation aurait été utile. Je comprends que Kindred ait pour objectif de permettre aux gens normaux de découvrir les merveilles de l'espace. Mais personnellement, mon équipement me donne des maux de tête. Sans parler des déplacements sur cette planète, la gravité est bien plus intense que sur la Terre. Mon dos en fait la douloureuse expérience. Quant au gros ici,
Il est vraiment mauvais. Je pensais pourtant que rien ne pourrait être plus mauvais que la version terrestre, mais oui. Que je choisis un steak ou des fruits de mer, tout a le même goût. J'espère que bientôt je découvrirai un délicieux mets local. Et peut-être qu'en retour, je pourrai lancer de nouvelles collations extraterrestres qui deviendront tendance. À plus. Chère maman, j'ai mangé quelque chose. Je ne sais pas ce que ça paraît innocent, mais je l'ai fait et il est trop tard pour revenir en arrière. Maintenant, j'ai une excroissance violette sur une partie de mon corps. Je ne vais pas faire un dessin, mais elle est grosse. Elle semble grandir chaque jour un peu plus et elle demande encore plus que la fois où j'étais tombé dans les hosties. Quand Oncle Jeff m'avait amené me baigner au lac nudiste, comme tu le sais, Oncle Jeff n'était pas du genre à rire. Mais il était mort de rire pendant des heures quand nous sommes rentrés et il a fallu me couvrir de 2 bouteilles de lotion de calamine pour que je dorme. Bref, tout ça pour te dire que les choses ont changé et que je ne suis plus aussi motivé que je l'étais lors de mon premier message. Ton fils. Représentant officiel de Kindred Aerospace, bienvenue. Je suis Marteau Tweet. Il manque un E, me semble. Du QG Kindred Aero, le Big Boss. Je t'écris aujourd'hui pour te dire tes identifications de ton compte Kindro. Il semble que c'est pas Kindred. Ah non, Kindro, ok. Bon, bientôt devenir expiré. S'il te plaît, envoie-moi ton identification et mob de passe. Ok, on dirait que c'est fait exprès comme si c'était mal écrit. Je vais tout réparer, sinon tu pourrais peut-être devenir viré. Tu dois m'envoyer aussi le 90€, carte cadeau. Carte cadeau du Kindred Music Store, c'est le prix normal de l'intervention. J'espère une réponse vite. Ton job est danger. Tu fonds de l'océan au tout haut des étoiles. Bon, je pense que c'est fait pour, mais c'est plein de faux. Urgent, veuillez mise à jour votre mot de passe Kindred. Oh, pas d'arsenal, c'est sérieux. Yeah, right. Du fond, le Big Boss. Ok. Là, t'es prêt à explorer. Descends à l'étage inférieur et entre dans le téléporteur pour que je démoléculise un peu ta structure biologique et que je te recombine sur la surface de cette nouvelle et magnifique planète. Mais moi, je comprends pas comment qu'elle parle. Pourquoi elle a dit planète comme s'il y avait 3 L là-dedans? On dirait qu'elle a dit planète au lieu de planète. Appuie sur protocole de lance les cartographies. Mission ensuite. Pièce d'avion. Oh. Il y a Coralie, ça fait peur. Tabarnak, il donne des claques. Yeah!
Bâtard! Appuie encore sur quoi? Hop. On va découvrir ensemble ce qu'il faut faire. Appuyez sur. Un animal là-bas. Bon. Tu n'as absolument aucune... Bon, lance les cartographies. Tous les vaisseaux extrasolaires de la flotte de Kindred sont équipés de drones robotisés que l'on appelle le cartographe. Il s'agit de petits drones automatisés qui peuvent explorer la planète de manière basique et faire un compte-rendu sur les différents sites ou les lieux contenant des ressources qui... j'en aimais le besoin. Utiliser le scanner pour documenter l'écosystème de la planète. Aha. Bon, je peux enlever ça. Ah, ok. Hop. Alors, ça, j'ai sauté en bas, je peux plus remonter. Lapin crétin. Je pourrais faire de la nourriture avec ça. Ça, ce sont des drogues, mais de bonnes drogues. Thérapeutiques, pas pour faire la fête. What the fuck? C'est de la drogue sur des bonnes drogues, pas faire de la fête. C'est pas pour te buzzer, c'est pour te... t'amener à... te guérir. D'appât. Ok, ça c'est mon vaisseau. Et là j'arrivais d'être là, mais je vais quand même aller voir de nouveau parce que. Et tu peux slider comme ça, I guess. Wow. Ok, ça c'est zoomé. Je peux pas regarder ça, c'est baigneuseux. Là, j'ai de l'air comme si je peux observer ça, pardon. Le gros grub est délicieux. Ça peut aussi être pratique pour appâter les créatures qui se trouvent aux alentours. Maintiens E pour viser et relâcher pour lancer. Bon, je peux l'attraper. Ah, oh, le grub. La seule bouffe dans tout l'univers qui goûte exactement le son café. Écoute exactement, sans café.
des roseaux. Dire, pense ailleurs. Ok, là, je vois. Comment ça pour enlever ça? Ça va vouloir. T'es gentil ou t'es pas gentil, toi? Carbone, es-tu venu ou il est parti? Avec toi, je me sens un peu mal. Ils sont tellement cute pis plein de jus! Plein de jus? Essaie de toi! Bonne 5. Essaie de toi! Hey, mon petit Chris. Ah, oh, il en a tout le temps! Pas obligé de tout vous tuer. Ok, cool. Je suis avec ça. Appuie sur X pour donner une claque ou un coup de pied. Manivre, rajoute de donner une méga claque. Ok, mais c'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que je fais après, après la claque? Comment c'est ça? Yep. Ah, j'aurais dû scanner ça! Ah, je lance ça, moi. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Lise qui m'avait peur! Des calices, esti! Des calices, esti! Tu peux être décalissé. Hey! Je vais venir dans la face. Calisse qui m'avait peur! Je pense pour le péter, faut que je. Deux choix. Soit c'est soit je lance ça ou je lance une bête dedans. Décalisse, c'est-tu? Well. Bon, on va y parer cette, toi. Yep. On va y par là! Allez, par là! Par là! Par là! Oh, je peux peut-être les attirer! Décolle, j'ai dit! Fucker de calice de tabarnak, toi!
Vas-tu dé... C'est quand qu'il pète, ça n'en fait. Ah ben, câlisse. Câlisse! Je peux pas aller par là. Je peux pas monter. D'accord, ici. Non, j'ai compris ça, là. Vas-y. C'est la bonne, Naïf. Et c'est naïf, help, naïf, là. Ah! Là, mon petit naïf. Où ça? Eh, mes petits naïfs, regarde, là, les petits naïfs! Oh, les petits naïfs! Où ça? Oh! Oh, Chris, il peut pas monter là non plus! Je vais faire les petits naïfs. Ah, faut que j'amène ça, les petits naïfs. Et vous en, les petits naïfs? Ben non, ils peuvent pas monter là-bas non plus. Hey, naïf! Hein? Ah, mon Christ, c'est mort, reste. C'est naïf. Y'a pas de moyen d'aller là. Comment je fais pour passer ça, moi, c'est... à côté. Oh, suffisamment de force! Oh, j'ai fait ça tout à l'heure pour slider. Comme ça. Ah, ça marche pas partout, par exemple. Ah, ça a pas marché, regarde, je viens de le faire. Thank you.
dit d'explorer tous les vaisseaux. Il faut faire de la cartographie. Fait là, là. J'irai par là, tiens. Ouais, tu as des flèches, ta barouette. On va tourner au vaisseau. Quelque chose à l'arrière du vaisseau, faut que je vais dedans. Ah, c'est derrière le vaisseau, faut que je vais. Là, les robots. Ils vont maintenant t'indiquer approximativement les endroits où trouver des ressources et te fournir d'autres informations importantes. Le cabin est pas mal endommagé. Tu dois scanner sa partie extérieure pour connaître son état réel. Fais ça maintenant. N'oublie pas de scanner régulièrement ce qui t'entoure. La caméra transmettra les données à Kindred qui, en retour, t'enverra des schémas pour plein d'affaires. Après, t'auras juste à récupérer des affaires pour fabriquer les affaires des schémas et ces affaires t'aideront à survivre face aux affaires que t'auras pris en photo. Affaires que t'auras pris en... C'est qui a fait le texte, Sti? Tellement québécois. Cette machine te copiera dans sa mémoire et effacera ton corps avant d'imprimer une copie 2 mètres plus loin. Depuis quand qu'un... C'est pas du populaire, mais c'est du familial. Depuis quand que... On parle du familial, un robot parle la mode familiale. Le panneau extérieur a dû se décrocher durant l'atterrissage. Je marque sa position sur ta boussole pour que tu puisses aller le chercher et le scanner. Si tu te perds, tu pourras toujours appuyer sur le bouton rapport pour réafficher son emplacement. Les réservoirs sont intacts, mais vides. Si tu réussis à trouver une source de carburant, tu devrais pouvoir revenir à la maison. Sinon, ben, félicitations! Bienvenue chez toi! Donc ça, c'est probablement l'affaire que j'ai vue tout à l'heure, là. Ah! C'est notre panneau manquant! Bon travail! N'oublie pas d'utiliser le rapport pour t'orienter dès que ça devient compliqué de trouver l'objectif sélectionné. Le Javelin est presque intact. Il a juste besoin de réparations mineures au cas où tu déciderais de partir d'ici un jour. Ah! Les cartographes ont trouvé un alliage extraterrestre qu'on pourrait utiliser pour réparer le vaisseau. Attends, je vais le marquer. Excellent! T'as déjà assez de carbone pour fabriquer un pistolet plasma nomade. Une arme de base, mais super pratique. L'imprimante 3D du Javelin n'attend que toi. Albert Buck, ça va? Je sais pas s'il offre plusieurs langues francophones ou... C'est pas le problème qu'il l'en prend en Québec. Dans le Javelin, les ressources que tu transportes sont automatiquement entreposées à bord. À l'inverse, tout ce que tu déposes au pied du Javelin, il restera jusqu'à ce que tu le récupères.
Le niveau de langue qu'ils ont pris au niveau du québécois, ils ont pas pris la... Ils ont pas pris... Grub, une patte mégamorphologique ultra-licieuse à emporter de Socket Ford. De tout l'univers est maintenant offerte avec Power Booster de Nutra Minéraux. Platinum Slur plus X20 millions. La nanostructure atomiquement reconfigurable du Grub est capable de recréer un nombre virtuellement illimité de plats et de boissons directement dans votre bouche et directement dans votre estomac. Satisfaction optimale et commodité incomparable. Avec des textures au bon goût de... bœuf, poulet, maïs, mousse au chocolat, bonbon dur, hamburger chili bacon, mayonnaise au wasabi, ciboulette, casserole de ziti, parmesan, crème glacée à la vanille, Bang Long John, serpent Salisbury, pasta parisano, aile de poulet à la banane, biscuit pour chevaux, pizza à l'ananas, poutine à la rate d'agneau, wonton surprise fécale, eau usée au concombre, bouillon de nez, des trilliards de plus. Miam, ça c'est bon. Grub, le gel alimentaire ultra populaire 100% artificiel. Fais pas ton snob, mange du Grub. Grub est conçu pour la main galactique régionale 9, ne convient pas au territoire non terrestre. En aucun cas utilisé pour nourrir votre démarreur, voir le site web pour plus de détails. Ah ben, non, que ça a l'air dégueulasse. Vos restes de viande, de graisse et de cartilage finissent toujours aux poubelles? Quelle perte! Ou pire, dans les toilettes? Dégueulasse! Grâce à Meatbody, retrouvez le sourire en réutilisant vos déchets de viande. Un chaleureux compagnon reconstitué fait par Slimo. Vous n'avez qu'à prendre vos déchets de viande, de chair pourrie et même de protéines cultivées en laboratoire, les mettre dans la machine, choisir le nombre et le type d'organe que vous souhaitez avoir, et en moins de 4 clichés, votre nouveau meilleur ami apparaîtra prêt à vous donner tout plein d'amour. Allô, maman? Meatbody, le chaleureux compagnon de jeu de Slimo. Tabarnak! Hey, moi qui n'ai pas d'amis ici, puis j'ai de la viande achetée. Même si je souhaite plus que tout de faire décoller cette navette vers la Terre pour que tu puisses retrouver tes proches, si t'en as. Mais je pourrais pas le faire tant que t'auras pas trouvé une source de carburant fiable sur cette planète. Pas si tu en as. T'en as. C'est-tu que c'est comme que je parle? Je parle même pas de main quand j'enseigne. Je parle presque même pas de main quand je suis en live. Ah ouais, Chris! Oh, nouvelle vidéo? La pub Grub. T'es malade! Ok, là, calme-toi, là, je vais pas ça de nouveau. Bon, là, il faut savoir où est le... Ah, c'est en bas, je pense. Non, en bas, c'est pour s'en aller. Attends. Téléport. T'as des amis sur Terre, bah, semblerait qu'il y a de la famille. C'est comme... c'est la quatrième plus grosse entreprise qui envoie des gens sur, qui fouillent l'espace. Et ils ont fait un programme pour des gens comme tout le monde qui veut y aller, mais sans préparation, et c'est pas si évident. Et c'est pas sûr que tu vas retourner. Tu vas revenir. Bon, c'est ça que j'ai besoin. Fabriquer le petit. L'outil le plus primordial de tout bon colon. Tourgeur champignon pour infliger un tir unique aux dégâts. Il faut. Ah, il manque. Oh, il faut 100 l'affaire. Je peux me voir les Rémi à 9, c'est peut-être un ancien modèle, mais ça fonctionne. Okay. Oh ben, tous les jeux, au début, faut que tu apprennes, c'est dans ta langue, fait, tu vas apprendre. Ok, donc j'ai une arme. Et je peux pas apprendre dans le vaisseau, je vois. Monkey Micro Mills Plaza, l'ultime simulation de vie sur Terre. Créer de minuscules formes de vie humaine en mélangeant de l'eau radioactive à moins de 0 degré Celsius et un paquet de poudre de micro-vie, puis observer les occupants de votre centre commercial grandir en quelques minutes seulement. Regardez-les se promener, faire des achats et vivre leur vie à mesure qu'ils se déplacent de manière autonome dans votre complexe commercial. Totalement inconscient de votre présence.
et étudiez une activité terrienne typique, fascinante, ou annoncez un vendredi fou et plongez vos clients dans une violente chasse aux aubaines où seuls les plus forts survivront. Minimal Monkeys Micro Mills Plaza est livré avec son centre commercial en biocaisson environnementalement stabilisé, trois paquets de micro-singes en poudre et un bâtonnet pour mélanger. Parlez de laps. C'est pareil comme Westworld. Des faux êtres humains qui n'ont pas de sentiments, qui peuvent mourir et revenir en vie tout le temps. Aïe aïe. Les pubs sont fuckées. 33 degrés Celsius, biomarqueur nominaux. Ah, je viens de perdre une balle, GG. Peut-être avec le fusil, peut-être que je pourrais briser un mur. Tout ça, je voulais attirer des manses, moi. Non. Woohoo! Square, welcome to my channel, my friend. Take your place. Hey, look at me. Oh, ça marche! Wouh! Ouch, calice. Ah, j'ai oublié de... Ces champignons comprennent plusieurs pelures spongieuses et poreuses en forme de pompons. Journey to the Savage Planet. Tu vas peut-être trouver ma question bizarre, mais vois-tu une sorte de grande tour à l'horizon? Et je te demande ça parce que mes systèmes semblent bien fonctionner, mais selon nos premières analyses, il devrait y avoir aucun signe de vie intelligente par ici. Mais là, eh ben, je vois complètement le contraire. Je vais tout de suite contacter tes supérieurs. Un instant. Bonne question. T'as peut-être raison, Albertox. Je viens de recevoir un message urgent de la part de notre PDG concernant la tour. Tu peux le consulter dans le module d'habitation. Reviens-moi dès que possible. Ah ouais. Oh.
Les fruits de cette plante-là sont comestibles et légèrement hallucinogènes, Fag. Vas-y, mollo. Hallucinogène, hein, Chris? Porte d'un autre monde pour 2 minutes. Une affaire gonflable en forme de graine qui veut dire si je vais. Il y a une place, j'aurais besoin de monter, là. On va dire, je sais pas, peut-être ici. Comment je fais pour lancer ça? Si t'as un grappin, c'est là que tu devrais le lancer. Je suis en train d'élaborer un schéma pour t'en fabriquer un. Et... Pas un peu d'exploration, faut retourner au vaisseau de toute façon. Je détecte des composés organiques près d'ici qui seront peut-être utiles à nos recherches. Peux-tu les scanner? Non. Je pourrais modifier son effet sur toi et comme ça, tu supporterais mieux le climat local. Mais les effets à long terme sont inconnus. C'est à toi de décider si tu veux l'avaler. On dirait de la glace. Mmh.
pas si c'est gelé. Cathy, tabarnak! Cathy! L'eau, t'es où? Il y a de la glace. C'est gelé. Ah! Ramasse ça! De la pièce. Ça peut arriver, ça. Désolé. Attendez pas que ça arrive, si bon. M'attendais pas à ça. Veux-tu les manger dessus ou faut que je les mange? Alors, quand ils s'entassent, ça marche pas. Attends, je vais les tirer dessus. Ah, il y a une porte là, mais attends, on va explorer un peu là. Pas peur, oui. Et je pourrais m'en aller par là si je veux. Ok. Viens aller voir ça si je peux manger. Ben ça c'est probablement de la santé. J'en ai pas besoin tout de suite. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, c'est la même chose. Vite là-bas. Cette bestiole pense que tu vas l'exterminer. Oh! Et en plein dans le mille! Fourmilière terrestre, les fourmis ont une taille similaire. Une affaire de fourmis, c'est ça que ça disait? J'ai... Ça, c'est pas de la mauvaise herbe. Dans la queue de partenaire d'une créature très pro... Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu vas là, là? Quelque chose que je voulais pas. De pitcher la graine. Oh, des nouveaux manses! C'est comme un oiseau globe normal, mais tout ridé. Tout à l'heure, il y avait un animal, il a été... Oh, il est là-bas. Ah, je l'ai pas scanné, celui-là.
Lui, je l'ai scanné. Là, je vais le tuer. Shit! Putain de... Ah! C'est comme un calmeur ben normal. Qui vole les pieds, gros. Tire dessus, barrière! Oh, ils sont deux! Putain, tu cries, tabarnak! Hein, enfin? Combien le jeu? Je pense qu'il y a une trentaine de dollars. Je le placerai après en haut pour si vous voulez faire une vérification. Non, Subolaco! La game a quasiment fini là. Voyons! Qui m'attaque encore? Yuske! Crise de gossant. Ah, oh, ça donne de la vie quand je tombe dessus, tape dessus, bon! Là, tout de suite, là! Dis-tu quoi, ce qu'il y a tout de suite? Commence à être perdu. Calé, j'ai perdu mes réponses. Hey, t'es chez Kagaïou, oh, prends ta chaise, regarde-moi! Mort une fois. What's up, Cloud Cifero? Welcome to my channel, my friend. Take a place to look at me. Oh, yeah! Bon, mort une fois, youpi. Ça disait de pas te perdre. Ok, ben ouais, ok. Ça, c'est faut suivre où aller. Oh, si bon, c'est pas par là. Et le vaisseau serait... À 369, c'est quoi ça? De toute façon, je suis loin de tout ce qu'il faut. À 120, c'est ça. Mais moi, le best, ça serait de retourner au vaisseau. Ah, tabarnak, qui est loin. Il faut retourner sur mes pas. Sticky mon gars, cet animal-là il me fait peur.
Allez, c'est des affaires, merde. Ah, ben oui, je vais me rappeler ce que je suis. Ça, c'est le trou qui a cassé tout à l'heure. Alors, si tu vas aller au vaisseau, je m'en vais à droite. Par là, je pense. Ouais, parce que je suis supposé aller là. Donc, au fragile, a pris du temps, mais ça réveille. Je demande si je peux ramasser ça. Voilà. Ok, c'est par là, faut jouer. Ah, moi j'ai chaud. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah, c'est ça, faut que tu sautes avant. Faudrait peut-être quelque chose d'autre. Ah, j'aurais eu le jump tout à l'heure, j'aurais pu mettre une graine là. Mais en tout cas, peu importe. J'ai pas vu ça tout à l'heure, bas. Allô? Ça marche tout dans... Ah, pardon. Hey, chose, ouais, toi, allô? Désolé pour le message à sens unique, là, mais bon, la communication intersidérale, qu'est-ce que tu veux? Ça a ses limites. On m'a informé que tu avais atterri sur ARY26. J'ai examiné une partie des données préliminaires et on a quelques questions. Bon, comme tu sais, toutes les planètes sondées n'ont pas, jusqu'à maintenant, montré de signes de vie intelligente. Sauf que ta planète est... bizarre. non, bizarre, pas bizarre. Différente, originale. J'ai... Nous avons besoin de savoir ce qui se cache dans ce tour-là, OK? Comment nos scanners l'ont manqué? Qui l'a construite? Je compte sur toi pour inspecter la place en profondeur. On cherche une nouvelle maison pour l'humanité... Après tout, je veux que tu transmettes ces données directement à moi, OK? J'ai déjà mis à jour ton protocole de transfert. Ça va être notre petit secret pour l'instant. Ce qui fait peur, lui. Bonjour. Nous vous félicitons du progrès que vous avez fait sur, même si nous comprenons la solitude intersidérale, a sûrement déjà fait son apparition. Nous aimerons vous assurer que votre sacrifice personnel ne passe pas. Hey, Caribou, Martin Tweed, le valeureux et intrépide PDG de Kindred, dire qu'il trouvait intéressant l'unique paragraphe résumant les efforts de nos 74 pionniers actuels actifs. J'avoue, mon ami.
Comme vous continuez d'explorer et de documenter cette planète fascinante, n'oubliez surtout pas les valeurs de Kindred. N'épargnez aucun effort. Écrasez tout ce qui vous oppose. Explorez tous les coins et les recoins. Allez-y, même si ça semble dangereux. C'est pour ça qu'on vous paye. Soyez fiers de votre travail et défendez la propriété de Kindred à tout prix. Créer des pièces de technologie spatiale avancée demande beaucoup d'argent et d'efforts. Imprimer des membres et des extrémités est bien plus rentable. Amusez-vous. Un homme de mort, je pensais que j'étais mort. Ah, il fait peur. Un peu de tout. Matt 16 Killer Ake, bienvenue à Tribu du Caribou Canadien, mon cher ami, ça fait super plaisir, t'en follow. Oh yeah! Ah tiens, plus haut! T'as grippé à des objets, nanana, éléments requis non découverts. Appuyez sur nanana. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, oh, je peux prendre une photo de moi dans un environnement avec le... Ah, oh, je suis le petit robot quand ça arrive. Donc, on termine la première partie de cette série sur Journey to the Savage Planet.